Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? Oh, tant pis, j'en rachèterai pour la prochaine saison, mais je suis obligé. Petit Baptiste qui met tout son argent. J'en ai rien à foutre, tu parles beaucoup quand même. Hein. Tu es juste un énorme crevard qui fout la totalité de sa thune sur Fortnite, qui est même prêt à vendre son propre rein. Quoi? Mais comment tu sais? Par contre, faudrait que t'apprennes à parler plus fort parce que j'ai remarqué un truc. Mes parents dorment. Oui, mais. Pas et maman dorment. Ouais, écoute. Ta gueule. Par contre, ça va? T'as bien farmé tes levels, hein? Ouais. Bon, en ce moment, je trouve que la saison est bien calme. Par contre, il y a quand même beaucoup de monde, hein. Bah. Écoute-moi bien, on est tous mal. Arrête de couiner. Ah putain! Ah, le fils de... Ouh! C'est derrière toi. Nice. Ah, j'entends des coups de tir. Et ça vient de par où à peu près? Là-bas. On va à l'attaque. Comme tu veux. Qui va à l'attaque, vers sa place. Attends, non, c'est pas ça. Okay. Bon, allez, on y va. Discrétion. Oh, on est là. J'ai une construction au-dessus du toit là-bas. Ah, j'ai vu destruction là. Attends, vas-y, viens, on s'approche. On va s'approcher petit à petit. Tu sais ce qu'il nous reste à faire après. Ah, putain. J'ai... Eh, franchement, quand j'arrête de jouer à Fortnite, je sais plus gérer les armes. Tout, genre, je suis arrivé, j'avais mon fusil à pompe. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mon fusil à pompe pour prendre les mini popos. Puis après, j'ai repris mon pompe, j'ai mis une balle à 96. Puis après, je suis mort. J'ai pas fait mon travail correctement. Je suis pas une petite pute. La vidéo est démonétisée. Oh, oh. Tu sais comment on dit poule en anglais? Ma petite idée, mais. Vas-y. Ah, j'ai eu un problème de réfléchir. Dio. Poule en anglais. Dio. Le frérot, il vient de lâcher Dio. Putain. Mais ça va pas la tête. Oh mon gars, il serait temps que tu ailles à l'école. Hein. Pas que t'es con, quoi ça? Déjà. J'entends un truc. Ah, bonjour. Oh putain, non, en fait, mate-moi ce boule. Qu'est-ce que lâche? Bon, consommer de la nourriture en matière sur le terrain. Never gonna give you up. Never gonna give you down. Never gonna turn around and it hurt you. Alors, j'ai autant de chance de toucher au sniper que... Oh, j'ai pas de chance. Ah, là-bas, je mange mort. Oh, je l'ai éliminé. En plus, j'ai détruit tous les bâtiments. C'est une entrée fracassante. Ah, le bâtard, il l'a volé. Un défi disponible. Comment ça, un défi disponible? Ah, mais en fait, c'était ça. J'ai dansé sans pas exprès. Par contre, c'est quoi ce brouillard de fils de pute qui s'est installé? Qu'est-ce que c'est? Un event, ça y est. Qu'est-ce que quoi, ça? Putain, j'ai fait tout ça pour tomber. Je suis monté en haut, je suis passé par le toit, j'ai fait... Ouh, ça y est, je suis tombé du 3ème, let's go. C'est comme si t'avais Spider-Man devant toi et il te fait... Puis il s'écrase devant toi. Pas beaucoup de ressources. Hein. Ouais, ça va. J'ai pas demandé si ça allait. Ferme ta gueule. Non, j'ai vu là-bas. Regarde, on voit les coups de tir. Attends, ouais, vas-y, je vais y aller à coup de Spider-Man. J'ai mis un ensemble de dégâts. L'opportunité était trop belle, j'ai presque mis la tête. Merde, je suis bloqué. Oh, il y en a un qui est KO. C'est pas moi qui l'ai animé, forme KO, mais c'est. Essaye de casser le mur. Casse le mur. Pourquoi casser le mur quand? Casse le mur. Oh, ouais. Je peux pas t'aider. Pas. Pourquoi tu fais ça? Juste pour les trolls. Là, ils sont en train de monter en quad. Oh ouais. Bah, ils vont mourir ou quoi? Non, ils vont pas mourir. Le problème, c'est que j'ai pas capté qu'il allait aussi vite que ça. Bon, il faut que j'avance. Fight avec les autres, je crois. Ok, on y va alors. Il va avoir un pied là. Oh, j'en ai eu un. 32. 29 sur celui en haut. Oh, bien joué, j'ai la bite. Let's go rush. Oh putain, le bâtard il a fait top 1 sans moi. Premier top 1 de la soirée. Imagine, chapitre 4 Fortnite, maintenant vous pouvez aller sous combattre sous. En vrai, ça serait trop bien.
Imagine en campus sous l'eau. Imagine un sous-marin sous l'eau. Quand il y avait la mission du sous-marin, quand je commençais à le voir, j'étais en mode oh putain, c'est le mégalodon, what the fuck, c'est non, confirmé, mégalodon dans GTA. Ah putain, le fils de pute, il m'a mis un seul sur les yeux. Mais avant ça, c'était pas ouvert. Putain, c'est le visiteur. Selon les théories, ça serait en réalité PewDiePie qui aurait ouvert les silos. Parce que oui, chapitre 4, c'est PewDiePie. Le skin PewDiePie et le skin T-Series. Choisissez votre équipe. Qui sera le vainqueur? Là-bas, on n'a pas été mort, mais je crois qu'il y a un autre propos. Je préfère quand même avoir 0 kill que qu'on se fasse rush toutes les microsecondes et qu'on n'a pas le temps de se régénérer. Là c'est tranquille, tu es juste à toaster. Sinon une théorie, si nous sommes à côté de The Rock et qu'en même temps je mange des céréales et que je fais la danse de Rick, après que toutes les personnes sur cette chaîne doivent s'abonner. J'ai pas des formes propres. Si juste là, ils viennent casser un arbre. Merde, j'ai raté. T'inquiète, je passe par le côté pour éviter qu'ils me repèrent. Pas l'heure de voir un rush, pas une snipe. Non, il s'enfuit. Ouais, parce qu'il a zone. Ouais, parce qu'il a zone, ils se sont dit. Ils s'enfuient. Ah, mais là-bas, il y a des fissures anales. Des fissures temporelles, des fissures. Oh, t'as compris. Allez, on y va. Tant pis, on va prendre quelques dégâts, mais ça va nous téléporter. Tu sais, la situation, tu vas dans les autres herbes, t'as un autre duo, on est là, ah, alors, on a pensé à la même stratégie, mais je pense qu'il faut s'entretuer. Derrière, ça rush derrière. Oh, putain, ouais. Je me suis pris une balle. Est construit comme un fils de pute. Ah. J'ai éliminé son pote, il a pas une erreur. Il y a les gants Spider-Man, je sais pas si ça peut être intéressant de les prendre. Moi j'ai pris une paire. Ah, je sais pas si ça en vaut la peine au final. À la fois c'est risqué, mais si on est désavantagé. Oh putain, il y a un connard au-dessus de la colline qui m'a snipé. Bon. Je garde un visu sur eux, t'inquiète. Okay. Là j'ai un visu sur eux. Attends, là je vais actuellement mon objectif c'est de moissonner. Bah attends des bandages. Je crois que ça descend par le centre, non. Voilà. Bien joué ça. C'est une bot, pardon. Le gars il a une bot. C'est pas possible. Tel est une bot. C'est tout ce que je peux dire. C'est la merde, c'est la merde. Je sais pas s'il va te rafale comme une rafale, mais en tout cas s'il te rafale comme une rafale, il est en une bot. Comment il est fort. Oh putain. Le gars il a une bot, c'est pas possible. Encore la balle qui a mis, ça va sortir facile, mais... J'ai changé mon skin parce qu'en vrai, la banane, elle est ultra grande. J'avoue. Pour l'instant, c'est une bonne zone. Tant qu'il y a les gants de Spider-Man à proximité. Mais quand il n'y aura plus les gants de Spider-Man, ça sera claqué. Quand il n'y aura plus les gants de Spider-Man, ça va changer tout le jeu. J'attends juste ça, en fait, qu'il retire les gants de Spider-Man. J'avoue que ça peut être cheaté, quoi. Pourquoi j'ai toujours pas débloqué la zone? Bête. Il y a un coffre légendaire, lieu notable découvert, le lieu brisement. Et moi je vais te briser la nuque, ça me part. Et là où je suis, il y a un coffre fort à ouvrir. On aurait été dans GTA avec tout l'or que j'ai, j'aurais quoi? Quoi? Bon, allez, je crois que j'ai glissé des éoliennes. Ah. J'avais dit que j'allais briser la nuque à des gens, mais au final je me suis brisé les genoux. Putain, je sens plus mes jambes. Tout le monde l'a vu en chat. Oui, il y a 4 personnes qui vont regarder les croisés au sol. Viendrait son pote. Bah attends, je vais le sniper dans les airs alors. Oh merde. Imagine. Oh, ok. Oh, je lui mets une balle. C'est bon, je lui mets une balle. C'est bien mon pote. Et après, il y a son pote qui était là. Oh man. Putain, mais j'ai rien. Allez, fils de... Mais, frère, j'entends un truc derrière moi, le temps que je me retourne, je sors mon fusil à pompe, mais c'est déjà fini, j'ai même pas de pistolet mitrailleur. En fait, faudrait s'améliorer à la construction, parce que franchement, c'est pas ça. Oh putain, putain. Ma laser. Il était bien orienté pour me laser, et moi j'étais pas... Mais putain, j'avais pas de pistolet mitrailleur, hein. Ce fils de pute, il me casse les couilles. Je sais pas si t'as entendu quand ça craquait. On est sur Discord, mec. Pour rappel, t'as activé l'option désactiver les sons parasites. T'es sûr? Ça s'est entendu, Bok. Alors, nous, ben, on pouvait nous voir, mais ça, j'espère, on est pas encore dans le bon coup. Moi, je suis Alt-F4. Au revoir. Allez, bah, moi aussi, voilà. A plus.